Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter un court-métrage que vous connaissez sûrement. Je parle bien sûr de Boudin, qui a été réalisé en 2002 par Clara Vassalière. Le personnage est une petite fille d'environ 7 ans, qui se nomme Cécile. La petite fille semble vivre dans une famille heureuse. Par exemple, elle nous explique au début que ses parents dansent tous les soirs ensemble. Mais on finit par comprendre que le père bat sa femme. Les dessins et les couleurs nous font croire à cette ambiance chaleureuse. Mais très vite, plusieurs détails comme les bouteilles d'alcool vides dans toute la maison, les médicaments mélangés aux bonbons, nous révèlent une toute autre réalité. Dès le début, Cécile nous présente son chat, Boudin, d'où le titre. Boudin est le meilleur ami et confident de Cécile. Ce mini-film d'animation aborde des sujets graves comme les violences conjugales, la drogue et une éducation irresponsable. Bref, attention aux âmes sensibles. Soyez attentifs à chaque détail mis en valeur par les couleurs et les sons, qui sont d'ailleurs très révélateurs, et qui nous permettent de compléter la vision naïve de Cécile. Les dessins enfantins, un peu gribouillage, nous plonge totalement dans l'univers de Cécile. Et la voix off permet une distance par rapport au drame qui se prépare. Bref, en résumé, ce court-métrage semble nous raconter le monde de Cécile, une enfant naïve et confiante. Mais en réalité, c'est un document qui révèle plusieurs sujets sensibles qui concernent la vie familiale et ses secrets. Nous vous conseillons très fortement de le regarder. Au revoir.